Uzoy ala Silvana hatutta mai ku puja ko ekyo tun mai mai la ko la gazak ma du tule wa ko la gazak ku ma wa le wa ku Est-ce que tu pleures? Je veux vraiment savoir ce qui se passe. Oui, je veux t'aider. Il s'est passé un truc avec mon petit ami, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, tu me demandes. Je peux t'aider. C'est juste qu'en fait, tu vois, je suis venue ici à Climate Chance. J'ai été invitée. Et puis. Pas, mon petit ami il veut partir, mais moi je veux rester ici quoi. C'est ça. Je pense que. Mais il vient d'où ce garçon? Et il s'appelle comment? Il s'appelle Dougie. Okoya, nous venons de vous voir dans votre nouveau film. Pouvez-vous nous parler de votre ancien film, Anouktatop? Oui, bonjour monsieur. Donc, bonjour. Le film Anouktatop a été réalisé en Guyane, chez moi. Et j'ai participé à ce tournage pour mettre en avant une histoire que j'ai vécue quand j'étais au lycée. Donc, Le nom de ce court-métrage est Amour Impossible. Et voilà, cette histoire, je l'ai vécue quand j'étais à Kourou. Ce qui m'a permis de mettre cette histoire devant la caméra, c'est que ma maman, elle a débarqué chez moi, en fait, à Kourou. Et du coup, je me suis dit que c'était, comme ça m'a touché, je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre cette scène devant la caméra. D'accord. Donc vous venez de... D'où venez-vous exactement? Bon, comme je vous ai dit, je suis guyanaise, donc du coup je viens de la Guyane. Et je suis amérindienne. D'accord. Du peuple Wayana. Et que faites-vous ici en France, du coup? En France, j'ai été invitée à Climate Chance. D'accord. Ça s'est passé à Nantes. J'ai été invitée pour parler des problématiques que je rencontrais chez moi en tant que peuple amérindien Wayana. Voilà, c'est qui justifie ma présence ici en France hexagonale. Donc Sylvana, vous avez joué dans plusieurs films. Pourquoi cette décision d'être actrice? Alors, actrice pour moi, c'était vraiment un rêve. C'est un truc que je voulais vraiment faire dans la vie. Quand je commençais à voir des telenovelas, les téléréalités. D'accord. J'avais cette envie de passer à la télé, de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Je voulais partir au Mexique pour devenir actrice parce que j'aime bien la langue espagnole, tout ça. Voilà pourquoi j'ai participé dans le film Anouktatop. Mais comme on m'avait dit que ce n'était pas un métier, du coup, bon, j'ai dû changer de voie. Là, je suis. Mais j'ai toujours cette idée de devenir actrice. Vous voyez, il y a une actrice populaire et tout, mais bon, je sais que c'est un rêve. Mais bon, voilà. Et quel a été l'élément déclencheur donc de ce désir de faire actrice? Alors, maintenant, je vais vous parler de Nicolas Pradal, qui est le réalisateur du film Anouktatop. Donc, ce monsieur,
Il est arrivé dans mon village sans aucune idée de là où il serait, où est-ce qu'il allait se retrouver. Donc, il est resté 2 semaines, 2 semaines dans le village. Il n'y avait personne qui parlait avec lui. Du coup, c'est ma sœur qui l'a accueilli à la maison. C'est comme ça que j'ai connu ce réalisateur. Et c'est un peu grâce à lui que je peux dire que j'ai un peu réalisé mon rêve. Et tout de suite, voici un extrait de Anouk Tatop avec Sylvana. Donc Sylvana, vous êtes actuellement en France. Pouvez-vous nous dire les différences qu'il existe de là où vous venez et d'ici? Pour vous ici, en tant que métropolitain, vous utilisez des trains, des voitures pour votre déplacement. Alors que chez nous, on utilise des pirogues partout où on va. En fait, la pirogue, c'est une voiture pour nous. Voilà. Et je vais aussi parler des galettes traditionnelles. Alors ici, chez vous, vous avez du pain, c'est du pain. Et Oui. Chez nous, nous utilisons du manioc pour faire de la cassave. D'accord. C'est une galette. Très bien. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y a une cérémonie importante qui existe chez vous. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah, vous parlez sûrement du maraquet. C'est ça. Alors, le maraquet, nous appelons dans notre langue Epoutop. Donc, le maraquet, il est dit que c'est une cérémonie pour les jeunes. C'est pour passer à l'âge adulte, devenir majeur, par exemple, chez vous. D'accord. Donc, nous dansons toute la nuit. Ça dure à peu près 3 jours, je pense. Ça dure toute la nuit et à la fin, on se fait piquer par des grosses fourmis qui piquent tellement fort. Et ceux qui ont passé le maraquet, ils doivent rester un mois sans manger à part des petits poissons sans sel. Et donc vous, Sylvana, avez-vous vécu cette cérémonie qui était si importante? Malheureusement, non. Et donc quel a été votre parcours en tant que jeune, en tant qu'étudiante? J'ai fait mon primaire chez moi à Talouenne. Après, je suis allée à Maripasoula pour faire le collège. Je vivais à l'internat avec les bonnes sœurs. Et après le collège, je suis partie sur le littoral. J'ai été prise à Kourou. Du coup, là, j'ai rencontré une famille que je considère aujourd'hui comme une famille. Voilà, je les appelle mon frère, ma mère. Après, une fois que j'ai eu mon bac, je suis allée sur Cayenne, qui est la capitale de la Guyane. Et actuellement, je suis à la fac, à l'université. Je fais une licence en lettres modernes pour devenir professeur plus tard, si Dieu veut. Mais après, vous voyez, j'ai d'autres projets. Genre, je voudrais bien partir en Espagne pour apprendre l'espagnol plus rapidement. D'accord. Et puis rentrer. Rentrer chez moi en tant que professeur d'espagnol. Et vous, Nicolas, qui êtes-vous? Avez-vous un rêve? Eh bien, moi, Sylvana, je suis un élève en première ES au lycée Jean Jaurès à Carmaux. Ouais. Dans le cadre donc, de cette première, je fais partie du dispositif Égalité des chances, avec lequel nous faisons un partenariat avec Sciences Po et nous réalisons donc ce documentaire sur le cinéma collaboratif. Effectivement, de la même manière que vous, j'ai un rêve, celui de faire de la politique, de prendre des décisions et de façonner le monde de demain. En tant que présentateur de cette émission, je tiens à remercier toute mon équipe. Tout d'abord, notre réalisatrice Manon,
notre assistante réalisatrice Émilie, notre caméraman Elliot, ensuite l'assistant caméraman Kylian, et pour finir Kylian qui est notre la personne qui apporte le café. Oui. Oui. Il a coupé.